Hey tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Vous allez me dire en commentaire. On n'est pas à la rentrée des classes. Je sais, c'est dans un mois et un jour. Donc voilà. Mais j'ai fait mes fournitures scolaires. Voilà. Il y a un gros sac. Donc s'il y a des choses à monter, des trucs d'un genre. Je le ferai avec vous, des feutres à mettre dans des stylos, dans des trousses. Donc je suis accompagnée d'un ciseau. Voilà. Donc on va commencer par une ardoise. Donc c'est une ardoise rouge. Je garde pas celle-là de l'année, de l'année dernière. Et le rouge c'est ma couleur préférée. Et il n'y avait pas d'autres rouges. Du coup j'ai pris elle. Mais bon, je vais pas garder le papier. Donc là, c'est à découper. Donc je le fais avec vous. Attendez les gens. Ici, je viens de voir, ils ont écrit une ardoise plus une brosse plus un feutre effaçable à sec. Mais c'est bon, hein. S'il n'y aurait pas l'ardoise, pourquoi on l'aurait acheté alors? Voilà. Oh, c'est trop mignon. Regardez. Voilà, il y a ça. Et derrière, il y a ce petit-là. Donc voilà, c'est trop mignon. Ça fait du bien d'avoir une nouvelle ardoise parce que la mienne a été hyper cassée. Donc là, ça fait grave du bien d'avoir une ardoise toute bien. Donc voilà, une ardoise. Oh. Elle est penchée? Ah non, c'est fait exprès, c'est vrai. Regardez, elle est penchée, c'est fait exprès. Voilà, bon, là je suis assise par terre, là c'est le coussin de mon chat. Elle s'allonge là, donc s'il y a un chat qui vient ici, je le dégagerai parce que vous voyez comment je pourrais vous faire pour montrer les trucs. Donc bah je les pose sur mon canapé puisque mon canapé est en train de tenir mon téléphone. Voilà, alors en plus on a un petit feutre bleu comme ceci et une éponge pour effacer noir. Moi avant c'était rose parce que j'arrêtais pas de prendre des trucs roses parce que rose c'était ma couleur préférée. Maintenant c'est le rouge avec le bleu. Avec ça j'ai pris un classeur pour quelque chose donc que vous verrez juste après. Il y a des trucs que j'ai pris pour la maison, hein, mais j'ai mes parents, ils m'ont dit oui. Donc, bah, du coup, bah, voilà, en fait, mes parents, ils nous ont donné un total de, enfin, ils nous ont donné 115 euros pour, bah, acheter tout. Moi, ça m'a fait 102 euros et ma soeur, ça a fait 106 euros. Voilà, donc moi, bah, ça. Donc j'ai tout acheté à Leclerc de Grand-Queville. Donc voilà, il est rouge pâle, donc rouge rose. Rouge rose parce que là je suis bien à la lumière, ça fait rouge rose. Voilà. Avec ça, on a acheté des petits crayons. Donc voilà. On va couper l'étiquette. Voilà, donc il y a vraiment toutes les couleurs. Voilà, c'est pour dessiner soit à la maison, soit à l'école, des trucs comme ça. Alors, avec ça, j'ai pris des feutres. Donc, ça, c'est pour la maison. Je prendrai des fois à l'école, je pense. C'est une petite pochette de feutre à mine hyper fin. Donc il faut pas appuyer quand on colorie avec. Je vais vous montrer un violet. Voilà, la mine elle est vraiment, vraiment, vraiment très fin. Je sais même pas si vous allez voir. Voilà, c'est pas ça la mine, c'est pas le truc gris, c'est le truc tout au bout. Donc il y a vraiment pas beaucoup de mine. Donc il faut en faire très attention. Donc j'ai pas de trousse pour ça puisque c'est ce que je garde à la maison.
j'ai pas besoin de trousse pour ça. Ça, c'est une pochette, donc je garde. Ça sert. Ouais, là, ça sert comme pochette, donc je pense que j'enlèverai l'étiquette, bien sûr. Voilà. Alors, avec ça, donc c'est ma soeur qui les a pris, mais elle m'en a donné puisqu'il y en avait plusieurs. Alors, il y a déjà un crayon comme ça, donc quand on tire, bah, il y a les mines. Voilà, il y a plus la gomme, tout ça. Donc, normalement, on en avait... Oups, désolé les amis. On en avait un pack de 4 ou 6, je sais plus. Avec ça, elle m'en a donné un deuxième... Désolée, un deuxième rouge et l'autre, le petit bâton, c'était jaune. Donc les deux couleurs que j'aime bien. Dommage qu'il n'y avait pas bleu. Un petit blanco, même si on n'a pas le droit, mais à l'école, mais c'est pas grave, ce sera pour la maison si je fais des fautes, tout ça. Voilà. Alors, on a des Stabilo. Ça commence à me saouler, les mots que je n'arrive pas à dire et que je me trompe, c'est pas grave. Donc voilà, c'est des stylos gomme, donc bah, je vais l'ouvrir avec vous. Tous les stylos, les amis, je le mets sur le truc de mon chat, comme ça, bah... Désolée, c'est ma soeur, m'a posé une question. Donc je les pose tous ici, les stylos, etc. C'est ma soeur, c'est pour ça que je fais ça. Oh mince, désolée. Hop, on pose du coup les deux trucs comme ça ici. Alors, continuant dans les stylos gomme, on a les recharges. Donc j'ai le rouge, les bleus. Voilà, j'ai ça aussi que ma soeur m'a donné. Donc un crayon. Attendez, je les pose là. Attendez, je pose tout sur le côté. Et je vous dis aussi ce qui est pour la maison, ce qui est pour chez moi et l'école. Donc il y a un ou deux trucs qui n'est pas... qui n'est pas pour les fournitures scolaires, mais bon. Voilà. Alors, ils sont là. J'ai les verres. Et je tiens à préciser, l'année dernière, j'en avais des stylos gomme, mais je les avais perdus au début de l'année. Je crois c'était en CE2. Et bah là, du coup, bah je pense pas que je vais les perdre parce que je suis en CM2 maintenant. Donc je pense pas que je vais les perdre parce que maintenant je commence à être un peu correct. Enfin pas au gros mot parce que je dis pas mal de gros mots quand même. Voilà. Mais pour mes affaires, je fais plus attention à mes affaires que quand j'étais petite. Donc là on a ces trois là, on a les bleus, les rouges. Et les verts. L'année dernière, les verts, je les avais pas trouvés. Donc là, en fait, j'avais un rayon de stylos, tout ça, gomme. Et il y en a plus loin, il y avait un autre rayon de gomme, stylos, etc. Et du coup, je l'ai trouvé là parce que sinon, les verts, je les avais pas trouvés. À part les rouges, et les rouges, les bleus et les noirs. Donc ça, c'est pas des stylos, donc je le mets sur le canapé. Ça aussi les amis, je les mets ici parce que après on va les mettre dans une trousse. Ils sont ouf. Bon, je vous montre ce qui n'est pas dans l'école, tout ça. Donc, j'ai un déo. Il sent la grenade, il sent trop bon. Je vais m'en mettre, hein, désolé. Il sent grave, grave, grave bon, les amis. Achetez-le. Voilà, c'est ça. Classement de produits pour Manav.
Manava. Par contre, ça bip. Parce que ça date que je me suis pas mis de vidéo. Faut le faire de loin. Voilà, il y a ça. Et il y a un dop au melon. C'est le nouveau dop de la marque Dop. Donc c'est au melon. Il sent vraiment bon. C'est un shampoing. Donc il sent trop bon, les amis. La preuve, je le sens toutes les 2 secondes tellement que c'est bon. Ils sont bons. Attendez, j'ai oublié un truc, les amis. Je vous descends. Donc, me revoilà. Donc, c'est un autre truc en dehors de l'école. Attendez, je me gratte. Parce que ça pique. Donc, ma mère a dit, chiche ou pas chiche, d'acheter un sceptre. Bah, moi et ma soeur, on a dit chiche. Donc, moi, j'ai choisi les mignons parce que c'était lui qui était le plus mignon. Et ma soeur, elle a pris Mini qui est sur la table déjà. Moi, j'ai été le récupérer de la table. Voilà. Par contre, je sais pas où il est le deuxième truc. Attendez. Hop là. Oui. Donc, si je le retrouverai. Alors, ça, c'est pour la maison. C'est des post-it multicolores. Vraiment, il y a toutes les couleurs. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Et vraiment tous les post-it. Voilà, donc j'ai de quoi faire avec ça. Voilà, je regardais un truc. Voilà, ça c'est pour la maison. Donc je mets les papiers en bas. Alors, on a monté le crayon pour l'école. Donc voilà, j'espère que je vais pas le perdre parce qu'à chaque fois je le perds en taille crayon. Donc voilà, c'est un comme ceci. C'était le plus beau de taille crayon que j'avais, et puis je voulais pas prendre des tailles crayons qui sont assez gros et tout fin, parce que bah en fait moi à chaque fois, si, même si on fait un mouvement pas brut, et bah il tombe et ça se casse, enfin ça s'enlève le bouchon, et du coup bah toutes les plures ils tombent par terre, et après est par terre et il se casse en même temps, donc voilà, je pense pas que ça va se casser. Puis attendez, je vais regarder comment il faut faire pour l'enlever. Oh bah c'est facile. Oups. Voilà, c'est comme ça l'intérieur. Et puis c'est cool parce que ils fournissent des petits autocollants comme ceci. Donc voilà, je pensais que c'était juste une déco comme ça, mais non, c'est des autocollants. Donc je suis très contente parce que j'ai pas du tout d'autocollants chez moi. Attendez, je vais garder le petit bac là parce que ça va servir. Désolée, hein, je fais du découpage. Mais c'est pour avoir ça là. Tout est devenu fou. Désolée si je chante, c'est la musique de TikTok que j'arrête pas d'avoir dans la tête. Tout est devenu flou. Un peu trop fou pour moi. Voilà, c'est une musique que j'adore chanter en sachant que ma passion c'est la danse et le chant. Donc j'arrête pas de chanter, même si ma famille aime pas ma voix. Moi ça va, je l'aime bien. Donc je chante. Voilà, là ça sera tous les petits trucs que je garde. Un petit, une sorte de petit bol de tout ce que je garde. Voilà, je le mets sur le côté juste là, à côté de mon tel. Oups. Alors, on est accompagné de, voilà, de petits stylos. Donc attendez, on va l'ouvrir. Moi j'aime bien faire. Voilà, hop, et après
Donc bien sûr, je ne vais pas tous les mettre dans ma trousse. Donc lui, je le mets dans ma trousse. Parce qu'il y a du bleu, du vert, du rouge et du noir. Lui, c'est du orange, du jaune, du violet, du rose. Donc c'est pour la maison. Et lui, c'est du vert, du bleu, du rouge et du noir. Donc eux deux, je pense ils iront dans ma trousse, mais pas tous les deux en même temps. Voilà. Donc après, là, je mets tous les stylos, etc. Mais je ferai un tri, par exemple, tri ce que je garde à la maison, ce que je mets dans ma trousse et ce que je garde en réserve pour la prochaine fois quand je ne l'aurai plus. Voilà. Et ma mère en a acheté d'autres. Donc attendez, je vais ramener tout ce qu'elle a acheté pour ma mère. Elle en a acheté avant aujourd'hui. Donc je vais le chercher. Voilà, c'est bon, j'ai été les chercher. Voilà, hop, j'ai mis dans mon tas de trucs. Là, aïe. Recoucou, voilà. Donc là, vous voyez du coup, parce que je pose pas très, à chaque fois, pas très bien. Donc, on va, pour l'ardoise, on a d'autres feutre d'ardoise. Donc je vais en garder un dans ma trousse plus l'autre de l'ardoise. Voilà, on l'ouvre. Bon, voilà. Alors j'ai des gommes. Voilà, j'ai pris les plus simples parce que je n'arrivais pas à me choisir. Donc voilà, j'ai pris eux. Donc c'est les gommes les plus simples au monde. Enfin, je pense. En tout cas, c'est eux que je préférais. Enfin, pas que je préférais, mais c'est les mieux donc, que je veux. Voilà, désolée, c'était ma soeur. Donc voilà, ces deux gommes-là. Donc c'est pas des stylos, mais ça va aller dans ma trousse. Donc ma mère, elle a acheté. Enfin, c'était il y a. Avant aujourd'hui, elle a acheté ses trois paquets de colle pour pas qu'on manque de colle. Donc voilà, il y a ça, il y a ça, et il y en a un troisième. Donc voilà, on est sûr de pas manquer de colle. Je vais en sortir une ou deux pour dans ma trousse. Voilà, j'en ai sorti deux. Voilà, les deux d'en haut. Alors, elle m'a acheté en dehors d'aujourd'hui. Elle m'a acheté mon petit. Désolée, c'est une personne sur Snap. C'est mon mec. Voilà. Personne ne sait à part vous, puisque je vous l'ai dit. Donc voilà, c'est un petit carnet comme ça. Il est très beau, j'aime bien. Voilà, et à chaque truc, il y a écrit des petits trucs, voilà. Des trucs comme ça. Et moi, je garde le même sac que l'année dernière. Donc là, on a des... des correcteurs. Donc, je savais pas comment ça s'appelait. Enfin, je m'en rappelais plus. Donc, on va en prendre un pour ma maison. Même si j'ai toujours l'autre, mais... J'en prends un comme ça. Donc je prends le bleu. Voilà. Non, le bleu, ce sera pour ma mère. Voilà, donc il est vraiment petit. Donc voilà. Alors, ça c'est par rapport à ma maîtresse, parce que ma maîtresse a dit qu'il fallait acheter des équerres, tout ça. Attendez, je vais vous ouvrir le paquet, ce sera plus facile.
voilà. Donc en fait, attends. Alors ma maîtresse a dit d'avoir une équerre, mais moi dans le pack il y en avait deux. Donc les zéros ils sont bien au bout. Mais vous voyez pas. Voilà, les zéros ils sont bien en bout. Ça, je sais pas ça sert à quoi, mais je pense que je me servirai pour faire un rond chez moi, parce que ça va pas nous servir à l'école, je pense. Donc je l'emmènerai quand même pour demander à ma maîtresse. Et voilà, on a la règle, la grande règle. Donc, ah, ça fait bizarre. Voilà, donc elle fait 30 cm, donc c'est pas mal. Alors, ça... je sais pas si c'est à moi, je crois pas. Ça doit être mes parents qui ont dû le prendre. Ou à ma soeur. Non, ma soeur c'est à moi. Donc ça doit être soit à mon père, soit à ma mère, soit à moi. Je m'en rappelle plus. Donc voilà. Mais je crois pas que c'est à moi. Donc ça doit être pour la maison, je pense. Donc j'ai mon classeur. Il est trop beau. Donc c'est Caporal John. Cher lundi. Toi et moi, c'est fini. Voilà. Bon, vous n'arriverez pas à lire. Et là, derrière, il y a écrit « Welcome to me world, Caporal Jean. » Voilà. Jean-fils ! Jean-fils, si tu ne perds pas là, t'es trop bien. À part que tu as perdu 100 euros sur le Death Run de Pixie. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Bon. Voilà. Donc la sœur pour l'école. J'ai mes fameux petits feutres. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Donc je les mets là. Attends, je les mets par terre parce qu'il n'y a plus de place là. Donc ça c'est pour la maison. Pour moi. Donc c'est comme le grand mais en plus petit pour que j'écrive des trucs. C'est pour la maison. Ça c'est une calculatrice pour la maison et pour l'école, parce que je n'étais pas sûre qu'à l'école on en avait besoin, mais je l'ai pris, j'ai demandé à ma mère. Et du coup je l'ai pris en rouge. J'avais bleu, blanc, noir et rouge. Et j'ai pris et rose pâle, mais j'ai pris rouge parce que c'est ma couleur préférée. Voilà, elle est grave belle, je suis trop contente de l'avoir. Donc voilà, là, il y a le petit papier. Donc je le mets ici puisque mes parents vont peut-être le voir. Elle est trop bien les gens. Elle est grave bien, donc elle est vraiment légère. Hein. Voilà, elle est très légère. Donc pour l'école, j'ai des crayons avec gomme. Donc j'ai déjà l'autre crayon que ma soeur m'a passé, plus un des crayons avec la gomme et la petite mine là, mais je pense pas que c'est eux que j'utiliserai le plus. Donc j'en prends un. Voilà. J'en prends un parce que je vais pas tout sortir au paquet. Voilà. Ma mère, en dehors de ce qu'on a acheté aujourd'hui, Battle Flip, hier tombé comme ça du mon canapé, elle m'a acheté, enfin elle nous a acheté avec ma soeur, enfin ma demi-sœur, moi je l'appelle soeur, c'est plus facile. Donc voilà, des sortes de petits stabiles, enfin des trucs comme ça, mais moi j'ai déjà ces deux là, donc pour l'instant ils vont pas être utiles. Ça c'est pour la maison,
c'est pour que je fasse mes devoirs. Il est bleu, dommage. J'aurais voulu un rouge, mais le bleu, ça me va bien, j'aime bien le bleu. Alors, je vais vous montrer une première trousse. Donc, je ne sais pas si ce serait pour les stylos, crayons ou un truc comme ça. On enlève ce qu'il y a à l'intérieur. Ah tiens, je vais le garder pour ma mère. Elle vend des choses sur Vinted. Du coup, ça va peut-être lui plaire. Ma mère est Vinted, ça en fait un. Elle adore vendre sur Vinted. On peut même pas profiter d'elle pendant les vacances. Mais aussi, elle travaille avec des mamies. Du coup, ben voilà. Je pense que ça sera pour les stylos, tout ça. Ou pour les crayons. Je pense que ça sera plus pour les crayons. Alors, on en a une autre. Je pense que ça va être pour les stylos cette fois. Donc voilà, elle est rouge. Donc j'ai deux trousses rouges et une marron. Donc voilà, on va couper l'étiquette. Attendez, je coupe l'étiquette à l'autre parce que ça me saoule d'avoir les étiquettes. Donc, on a une rouge encore. Donc, on a une marron comme ceci. Donc, elle est grave belle. C'est ma préférée avec la rose vernis à ongles. Ouh, ça va plaire à ma mère aussi. Donc là, il ne me reste plus que 15 de batterie. Donc, je pense pas que je vais vous filmer quand je vais tout mettre dans les trousses, tout ça. Parce qu'il me reste encore pas mal de trucs. Voilà, donc ça.